Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une technique de peinture qui s'appelle le jeté de saut de peinture. Alors pour ce faire, vous avez besoin de peinture. Ici je vais mélanger du blanc avec l'orange, d'un seau qui est vide ici, un seau dans lequel j'ai pris de l'eau, et là un bâton que j'ai récupéré pour pouvoir remuer la peinture. De l'orange, de l'eau, ensuite je remue, soit bien homogène. Accroche-toi si tu veux, comme ça tu vas voir. Selon si vous souhaitez d'avoir de la transparence ou pas, vous pouvez rajouter un peu d'eau ou en mettre un peu moins. On peut mélanger aussi de cette façon-là. Une fois le mélange obtenu, là je vais commencer à peindre cette toile qui fait 8 mètres par 35 de long. Il faut choisir un endroit. Comme je suis droitier, je prends la anse avec ma main gauche. Avec ma main droite, je le prends comme ça. Et ensuite, si elle consiste tout simplement d'un mouvement vers l'arrière, et hop, de jeter la peinture dans la direction que vous avez choisie. C'est la technique du jeté de saut de peinture. Pour vous donner un exemple, on va faire comme ça. Avec les quelques résidus qui font des taches.
avec un mélange de la technique de la peinture à la basket. Tu vas apprendre à faire des claquettes, c'est bon.